Bonjour, bienvenue sur Chaîne Cuisine Marocaine. J'espère que vous allez tous bien. La recette que j'ai choisie pour vous aujourd'hui aussi, c'est un vrai délice. Est vraiment très très délicieuse. Alors, on a besoin de 125 g du beurre mou, 80 ml d'huile végétale ou tournesol, 150 g de sucre semoule, 2 œufs, zeste d'orange ou bien le sucre vanille selon le goût, levure chimique 14 g et bien sûr la farine du blé tendre tamisée, le besoin pour arranger la pâte. Dans un récipient, travaillez du beurre ainsi que le sucre pour avoir la texture pommade. Rajoutez l'huile. Les œufs et les zestes d'orange. Continuons de mélanger. Rajoutez maintenant la farine en petite quantité et la levure chimique. Et voilà la pâte, il est bien arrangé et tendre, comme vous voyez. Ici, j'avais besoin de 500 g de farine seulement. Couvrez-la d'un film alimentaire et passons à la manipulation. Alors, pour réaliser ces belles formes, comme vous voyez, ces formes de carré, on aurait besoin d'arachide que j'ai grillé, pelé, et grossièrement moulu et tamisé. Voilà. Aussi, la glaire d'œuf. La roulette pour découper les carrés seulement. Entre deux plastiques au film alimentaire, abaissez la moitié de la pâte et couvrez l'autre d'une épaisseur d'environ 5 mm. Abaissez-la tranquillement. Avec la roulette, coupez des petits carreaux de 5 cm sur 5. Placez-les sur un plat du four huilé. Badigeonnez la glaire d'œuf aux surfaces et parsemez des graines d'arachide. Ça. Préchauffez le four d'une température de 180 degrés et faites-les cuire presque 10 minutes. Et de la même façon, je termine l'autre quantité. Et voilà, après la cuisson, sont de très belles odeurs.
très belle forme, oh, c'est délicieux. Très facile, comme vous avez suivi dans la vidéo. Si vous aimez, présentez-les tels quels ou bien décorez-les avec le chocolat fondu selon le choix.